le Seigneur vous bénisse tous. Kolo apa mula bino banso. Nous sommes reconnaissants cet après-midi envers notre Dieu. Tous allez coton dans Zambé Nabiso, Simana Zanga Yalilo. Qui nous a encore réunis par sa grâce. Ye oyo nangolunaye, ayanga nisi biso lisusu. Les alli tant on est en salibaku pona mokufi et à côté de son encolo. Et tant on est en salibaso naie tomio kaka ite to salimikie. Nous allons tenir debout. Tokotelema peto fongola babi bile na biso. En psaume 119. Na mokanda ya banzembo mokapo. Kama moko zomina libwa. Nous lisons à partir du 171 jusqu'au 174. Tokobanda kotanga uta na molongo ya kama moko tukusambu na moko kino kama moko tukusambu na minei. Banzembo kama moko zo minalibuwa, kama moko zo minatukusa muna moko kino, kama moko tukusa muna mine tutangi na komo na Yesu. Que m'élève biblique ta louange. Tikaete mbebo nangai esa kola lokumu na yo. Car tu m'enseignes des statuts. Jambio zaliko la kisangai malako na yo. Que ma langue chante ta parole. Lolemu nangai yemba lo yembo na yo. Jambi mibeko na yo nyoso ezali sembo. Que ta main me soit en aide. Tikaite loboko na yo esunga ngai. Car je choisis tes ordonnances. Jambi ngai na poni mibeko na yo. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Nazali ko kimela sima lobiko na yo, ô Yahweh. Et ta loi fait mes délices. Pe mobeko na yo nde ezali ko sala bisengo na ngai. Nous allons prendre dans le livre Peacemaker, ce numéro 356. Tokokamata motango kama misato tukumisato na motoba yango ezali loyembo. Loyembo moko na moko akoyemba. Kati na mulimo moko ya komanyola. Et vous souhaitez tout le belancolo. Thank you.
Toute bonté et de miséricorde. Nous te disons encore merci pour cet après-midi. Pendant que chacun de bien-aimé est à son poste pour te servir, toi, notre Dieu. Divin Père Céleste, chaque jour suffit sa peine. Et tu as dit que chaque chose a son temps, Seigneur. Ainsi le temps est arrivé où nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer. Notre Dieu et notre roi, comme nous venons de le chanter, toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, cet après-midi, Seigneur, nous voulons que ta miséricorde coule à flot. Nous voulons que ton pardon soit possible. Nous voulons, Seigneur, que ton sang puisse nous purifier, nous laver, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que quand chacun de nous va, Dieu bien-aimé, pouvoir s'approcher pour t'adorer, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, recevoir chaque adoration de ce soir. Parce que tu ne partages jamais ta gloire avec un autre Seigneur. Divin Père Céleste, toi l'Esprit, toi le Dieu d'Esprit des prophètes, toi le Dieu qui parle, ainsi nous sommes venus pour t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu utilises l'instrument et tu as choisi, Père, pour cet après-midi. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, nous parler que de toi, Seigneur. Divin Père Céleste, bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Quand tu nous appelles, ce n'est pas pour nous décevoir. Et quand nous venons, Seigneur, nous venons avec ferme assurance que nous sommes devant les dieux créateurs des cieux et de la terre. Et que devant toi, tout est possible, Père. Ainsi, daigne nous recevoir dans les noms qui sont au-dessus de tout nom, les noms du roi rédempteur, le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi avec foi. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Obeta maboko pour nankolo. Nous allons nous tenir maintenant debout pour chanter quelques chansons. Ça, ça est plutôt côté le mapote et toyemba moi banzembo. Nous allons prendre le numéro 118. Toko kamata loyembo motango kama moko zomina libwa. Nous prendrons aussi le numéro 4. Toko kamata pe motango ya minei. Glorifions les seigneurs, oui tous ensemble.
Jéhovah Shammah et son nom.
le feu divin. Jésus, de tout mon cœur, je m'aime Jésus. Je mange Jésus, de tout mon cœur, je mange Jésus. De tout mon cœur, je mange Jésus. De tout mon cœur, et alors mon cœur les loue. Seigneur notre Dieu, nous te disons grandement merci ce soir. Toi le Dieu qui nous aime, qui nous garde et qui nous protège. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Toi la pierre des jaspes et des sardoines. Tu es le Ruben, tu es le Benjamin, tu es le Joseph, le Jacob. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui étais, qui viens. Tu es le même Jésus-Christ ce soir. Regarde-nous à travers le précieux sang que tu as répandu au bois du calvaire. Bénis chacun de nous, chaque cœur, chaque âme disposée. Sans toi, nous sommes incapables de tout. Avec toi, nous sommes de plus que vainqueurs. Car il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Aussi, rien n'est impossible aux croyants que nous sommes. Nous doutons de nos doutes ce soir. Entre en scène et manifeste de quoi tu es capable, en bénissant chacun de nous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en série ce soir. Nous remercions notre pasteur, le révérend Miss Mwanangoi, qui a toujours confiance en nous. Bénisse richement son serviteur. Il bénisse le conseil des diacres et d'administrateurs. Qui sont comme Josué et Caleb qui soutenaient le bras de Moïse. Et vous aussi, son peuple. Et c'est pour vous que le Seigneur donne le ministère pour que nous puissions nous tenir devant vous pour vous servir. Que Dieu vous bénisse richement. Sans tarder, vous pouvez vous tenir debout afin que nous puissions passer Zanga ko umela, boko à la lecture de la parole. Pour l'itangi na liloba. Nous lisons dans Ésaïe 61, du premier au troisième verset. Et après, nous prendrons, pendant que nous sommes debout, Luc 4, 16 au 19e verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre.
une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Luc 4, du 16e au 19e verset. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la lecture de sa parole. Nous allons essayer de parler ce soir sur un petit sujet. Disons même comme le prophète avait intitulé, un grand sujet. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Du temps du prophète Esaïe, celui qui a écrit tous les 66 livres ou bien les 66 chapitres de la 66 chapitres qui composent les 66 livres de la Bible. Parce que le prophète dit que le prophète Esaïe c'est le seul qui a écrit toute la Bible de Genèse à Apocalypse. À travers tous ces 66 chapitres. Et nous sommes ici dans Esaïe 61. Où nous trouvons cette prophétie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés et pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Le message de Malachie 4 est venu ramener la joie. Amen. Là où la tristesse régnait. Amen. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice et une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'était la prophétie. Ce n'était pas pour Esaïe. Mais comme il était le prophète, mais il entre dans l'esprit, disant: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi.
Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir le malade. Redonner la vie aux aveugles. Redonner la joie à ceux qui l'avaient déjà perdu. Amen. Nous voyons des centaines d'années après. Quand notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Un jour après la louange, comme on vient de le faire. C'est le moment de faire la lecture de la parole. Tout le monde se tient debout. Il entre. On lui remit la Bible. Ou le rouleau du livre du prophète Esaïe. Il ouvre là où nous avons ouvert avec vous aujourd'hui dans Esaïe 61. Et il commence à lire. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Comme vous et nous sommes tenus debout en faisant la lecture. C'est biblique. Même le Créateur se tenait debout quand il faisait la lecture. Avant d'apporter la prédication. Ou bien avant d'apporter l'évangile. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre. Il le remit aux serviteurs et s'assit. Disant, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Pourquoi il a dit cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie? Alors que ce n'est pas toute la prophétie d'Esaïe 61. Il y a une très grande chose que Christ a laissé que vous pouvez remarquer avec vos Bibles. Branham dit, pourquoi Jésus a oublié, a laissé cela? C'est pour dire qu'il avait oublié? Non. Esaïe 61 a deux très grandes parties. Il y a une chose. Christ a répété mot à mot. Mais il a laissé toute une phrase qui contient le message de Malachie 4. Découvrons ensemble et retournons dans Esaïe 61 pour voir ce que Jésus-Christ a laissé et pourquoi il l'avait laissé. Amen, amen, amen. Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Si vous allez dans Esaïe, dans Luc chapitre 4, vous n'allez pas retrouver cette phrase. Branham dit, Jésus savait que ce n'était pas le message de son jour. Amen, amen. Même s'il pouvait prêcher cela en ces temps-là, les gens n'allaient pas comprendre. Puisque
que sa première venue, ce n'était pas pour publier une année de vengeance. C'était pour apporter la bonne nouvelle. C'était pour mourir au bois du calvaire. Afin que les pécheurs puissent accepter la repentance. Croire Jésus-Christ et vivre. Que les malades soient guéris. Amen, amen. Amen. C'était au début. Les gens n'étaient pas encore avertis. Alors que les hommes, même les hommes des savants disent, un homme averti en vaut deux. Mais comme il a porté d'abord la bonne nouvelle, la parole qui devrait avertir les gens, Christ a laissé une année. Un jour de vengeance notre. Et si allons dans Malachie 4. Du premier verset. Et nous descendons jusqu'au sixième. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Et c'est ça le jour de vengeance que Christ a laissé entre parenthèses. Il savait que c'est Élie de Malachie 4 qui viendra annoncer ceci. Ce n'est pas le message de mon jour. Reconnaître votre jour et son message. Amen, amen. Il a dit que ça c'est le message pour le peuple qui vivra au temps de la fin. C'est le message qui va clôturer les âges de l'église. C'est là qu'il a laissé cela entre parenthèses. Et nous venons retrouver ce jour dans Malachie 4. Le jour de vengeance de l'Éternel. Et c'est là que nous verrons tous les méchants qui remplissent le monde, être brûlés. Amen, amen. Le jour viendra comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme des chaumes. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. Et quand il y a quelqu'un qui est maudit quelque part, et reconnaissez qu'il y a aussi un témoin béni quelque part, quand il y a un faux chrétien quelque part qui joue avec la parole, il y a un chrétien sincère et honnête quelque part, Dieu ne manque jamais de témoin. Amen, amen. C'est là qu'il change. Même s'il y a il y aura des méchants qui seront brûlés, écrasés, il y aura aussi les justes qui marcheront sur leurs cendres. Et ce juste-là, c'est le peuple de Malachie 4. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen, amen. Ça c'est la promesse pour le peuple fidèle à Dieu aujourd'hui. Et vous foulerez le méchant. Ne craignez personne. Qui qu'il soit, s'il n'a pas découvert, il n'a pas reconnu les jours dans lesquels il vit, le message de son jour, le messager de son jour, nous marcherons sur sa cendre. Amen. Branham dit, les gens du temps de Noé ont été engloutis par l'eau pour le fait qu'ils n'avaient pas reconnu Noé. Ils n'avaient pas reconnu
le messager du jour. Il n'avait pas accepté le message du jour. Amen, amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui avez reconnu votre jour, le soleil de la justice s'élèvera. Alléluia. Et la guérison sera sous ses ailes. Nous défions chaque maladie au nom du Seigneur Jésus ce soir. Chaque maladie c'est un démon. La lumière du soir a apporté la guérison à chaque maladie. C'est question que votre foi monte. Et vous quitterez ici guéri et rétabli ce soir. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous du message de Malachi 4. Le message apporté par William Marion Branham. J'essaie d'actualiser aujourd'hui la lecture. Actualisons la lecture. Souvenez-vous du message de Branham, mon serviteur, auquel j'ai prescrit, j'ai donné la révélation au mont San Seth. Ici c'était en Horeb pour tout Israël, pour tous les enfants de Malachi 4, des préceptes Malako et des ordonnances. Voici Dala. Je vous enverrai Élie le prophète. Voici, je vous ai déjà envoyé Élie le prophète. Il n'y a pas un autre messager qui sera envoyé. Et nous n'allons pas dire, voici, je vous enverrai. Voici, l'Éternel Yahweh a déjà envoyé Élie le prophète. Amen, amen. Amen. Actualisons la lecture. Voici, je vous ai envoyé Élu le prophète. Avant que ce jour grand et redoutable arrive. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'intérieur. Avertissement puis jugement. Aujourd'hui, quand William Branham a ouvert Apocalypse 10, 1 à 7, et qu'il a lu, il a déclaré aussi, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen, amen. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 30 et 31. Donc, remarquez ce qui s'est passé ici. Quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître? Ne pourrions-nous pas? Ne pourrais-je pas dire ceci? Si seulement j'avais été vigilant. Vous voyez, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit. En prophétie aujourd'hui. Observez ce qu'il a fait immédiatement après la lecture de cette écriture. Quand Christ a lu Luc 4 en son jour, il a lu Esaïe 61 dans Luc 4. Il n'a pas prêché. Il lit, il termine, il s'assoit. Tout le monde commence à observer. Il garde silence. Afin d'y aller qui mient dans la salle. Qui mient et quota qui catine yanganelo. Et tout le monde se pose la question. Batoban soba komi komi tour. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Ah, kosa la nini nelo. Quand il a vu ces questions là. Tango motune stuna maki. Qu'est-ce que vous attendez que je vous annonce encore? Bino boko zira na ibisa bino bisusuni. Ça c'était la prophétie. Oye zara ki esa kweli. Mais aujourd'hui. Kasi lelo. Cette prophétie parlait de moi. Esa kweli oye zara ki kolo belangai. Cette prophétie parlait de ces jours. Esa kweli oye zara ki kolo belatango yelelo. Je n'ai pas encore prêché. Je n'ai pas encore à vous prêcher. Ce qui était la prophétie est accompli devant vous. C'est là qu'il prend la place, il s'assoit. Je n'ai pas un autre message à vous prêcher. Ce qu'Esaïe avait prophétisé, ça vient de s'accomplir. Ça a parlé de moi. Ça a parlé pour aujourd'hui. Branham a dit. Amen. Amen. Branham a dit. Branham a observez ce que Jésus a fait.
Mais dans Apocalypse 10, il a dit, au jour où le Fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, mais le Fils de l'homme, se révélera de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, reconnaissez aussi que cette parole, Luc 17:30, cette promesse de cette heure dans laquelle nous vivons maintenant est déjà accomplie devant vous. Amen. Amen. Cette promesse de l'heure dans laquelle nous vivons maintenant est accomplie devant vous. Accomplie devant nos propres yeux. Applaudissons pour la gloire du Seigneur. Amen. Il s'est aussitôt tourné vers l'assemblée. Et avec 10 ou 11, quel qu'en soit le nombre parmi l'auditoire, qui se trouvait là, on ne connaît pas. Il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Aujourd'hui, cette écriture a été manifestée devant vous. Elle a été confirmée devant vous. Alors, mon frère, ma soeur, délégué, cher prédicateur, quoi que nous soyons ici ce soir, enfants de Dieu, combien proches sommes-nous de sa venue? Alors, si maintenant nous vivons l'écriture qu'il a promise, juste avant que le feu tombe à Sodome pour la brûler, et qu'il a comparé ce jour-ci à celui-là, et que nous voyons aussi cette écriture s'accomplir en plein sous nos yeux, combien proches sommes-nous de la venue du Fils de Dieu? Alors, combien proche est la manifestation des Écritures? Combien proche est la manifestation de Luc 17:30? Combien proche est la manifestation d'Hébreux 13:8? Combien proche est la manifestation de Malachie 4:5-6? Combien proche est la manifestation d'Apocalypse 10? Combien proche Branham dit, Branham Alobi, comme il l'a fait à travers Abraham, en montrant l'église Antipe, alors qu'il était la promesse à l'église. Amen. Christ était la promesse pour l'église. Et maintenant nous voyons la semence naturelle d'Abraham, comment ils ont failli. La semence naturelle d'Abraham. Tout le monde a failli. Maintenant écoutez. Mais la semence royale d'Abraham, qu'il est par la foi, les enfants de Malachie 4 que vous êtes maintenant, Branham dit ceci: nous sommes au temps de la fin. Mon frère, mes soeurs, il dit la semence royal d'Abraham qu'il est par la foi, dans la parole promise, est en train d'être manifesté sur la terre aujourd'hui même ce soir. Amen, amen. Amen. La semence royale d'Abraham, par la foi, na croyant dans la promesse de votre jour, est en train d'être manifestée aujourd'hui même ce soir, lelo ata poko na lelo, par cette vérité que vous entendez. Na bosolo bozali koyoka. Amen. Amen. Je vous donnerai, vous connaîtrez la vérité. Bokoyebaka solo. Ma parole est la vérité. Bilo banangai zali solo. Et la vérité vous affranchira.
Il n'y a pas une autre vérité en dehors de ce message. Il n'y a pas un autre pasteur qui a la puissance de délivrer les gens par ses mains. Mais cette vérité que vous entendez a la puissance de vous délivrer, a la puissance de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Osez simplement croire de tout votre cœur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a un droit particulier sur Dieu. Il doit être béni et toi non. Oyo ye asengeli kopambwa mayo ozanga kopambwa. Yo matisaka konzima. Amen amen. Branham dit. Mon frère, ma sœur. Ndekonanga mobali pe ya mwasi. Nous sommes à la fin. Tozali na suka. Et nous n'avons pas un autre type à attendre sur la terre. Tozali lisusu te netali selo mosuto sengeli kozela na mokili. Nous sommes à la fin de tout. Même Jésus-Christ, il était notre type. Amen. Amen. Amen, amen. Nous n'avons pas un autre type sur lequel compter. Tout le monde comptait sur nous pour les messages de ce soir. Amen, amen. Concerné et convaincu. Prêcher. Dimanche 10 juin 1962. Branham dit, Branham Alobi, je suis convaincu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'était William Branham. Il dit, moi, Branham, je suis convaincu que Jésus-Christ est Hébreux 13:8. Est-ce qu'il y a-t-il une sœur qui peut aussi croire comme ça? Y a-t-il un frère qui peut être convaincu comme cela? Que Dieu vous bénisse. Je suis aussi convaincu que Jésus-Christ est le même hier, maintenant avec toi et moi. Amen. Amen. Et éternellement. Il ne change pas. Mais il est disposé ce soir. Plus que capable de changer ta situation. Amen. Amen. Je suis convaincu du ministère et du message que je vous prêche. Amen. Amen. Branham ne doutait pas du message qu'il a apporté. Lui-même était le croyant du message de Malachi 4. Il est convaincu que vous croyez ou non, mais lui ne doutait de rien. Convaincu que le message que j'apporte, c'est le seul message capable de sauver l'humanité aujourd'hui. Amen. Branham était d'abord convaincu. Soyez aussi convaincu. Qu'en dehors de ce message, il n'y a pas une autre bonne nouvelle qui peut sauver l'humanité. Il n'y en a pas. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Branham dit, je suis convaincu du message de Malachi 4. D'abord convaincu du ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Qui croit que c'est la vérité? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincu que ces visions viennent de Dieu. Toutes les visions que William Branham a eues. Branham lui-même est convaincu que toutes ces visions venaient de Dieu. C'est là qu'aucune vision n'a failli. Amen. Et aucune ne faillira. Toutes les visions venaient de Dieu. Je suis convaincu que nous vivons dans le dernier jour. Je suis convaincu que cet esprit même qui est sur vous maintenant, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Cet esprit qui te donne la joie dans le cœur, qui t'amène de dire amen à la parole. Pour en être convaincu que c'est le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne diras jamais amen à la parole. Tu ne diras jamais gloire. Pour en être convaincu que cet esprit qui t'amène à faire c'est là. C'est le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur.
Je suis complètement convaincu. Nandimi sami na mobimba. Je suis convaincu Nandimi sami. Que la voix du Saint-Esprit est correcte aujourd'hui. Zeramo limo santo ko kisami ezali ya sembo lelo. Je suis convaincu Nandimi sami. Que la voix de la Bible et nzela na Bible est la vérité. Ezali solo. Amen. Notre message, c'est le message de Malachi 4. Sangona bisezali sangwa Malachi amine. Le message de Luc 17:30. Sangwa Luc azomi na sambo tukumi sa. Joël 2:28. Yoel ami bali. Tout c'est la Bible. Non, c'est la Bible. C'est là que Branham dit. Je suis convaincu. Nandimi sami. Que la voix de la Bible. Et nzela na Bible. Est la meilleure. Ezali ya sembo to ya maramu mingi. Alléluia. La Bible. Biblia. La parole. Liloba. Je suis convaincu Nandimi sami. Que c'est Jésus-Christ et Jésus Christ qui est ici en ce moment même. Yende ajali awa sikawa. Qui croit que Jésus-Christ est ici? Nandimi ete Jésus Christ azali awa. Que Dieu vous bénisse. Zambe ya pambo rabino. Puisqu'il a prêché un sermon intitulé Po ate akilite ya moko na kombo. La présence du Seigneur non reconnue. Bozali sami na nkolo oyo bato bayebi te. Jésus a déjà dit. Yesu alobaki. Là où deux ou trois. Et pa ibaba le basatu. Sont réunis à mon nom. Basangani na kombo na ngai. Je suis au milieu de eux. Il te faut prendre conscience. Tu crois déjà que Jésus-Christ est ici. Et c'est sa présence qui t'a fait quitter la maison jusqu'à ce lieu. Crois maintenant que Jésus-Christ est ici. Amen. Et si tu crois que Jésus-Christ est ici, ajoute qu'il est plus grand que ton problème. Ajoute qu'il est plus grand que ta maladie. Ajoute qu'il est plus grand que le célibat. Il est plus grand que la souffrance. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que chaque affliction. Il est plus grand que chaque trahison. Il rien n'est égal à notre Seigneur Jésus. Et côté, il rien n'est égal au Seigneur de gloire. Et côté, le Dieu de gloire. Nkembo. Le Dieu de l'éternité. Seko na seko. C'est lui qui te connaît. Avant que tu viennes dans le monde. Mon frère, ma soeur. Dis-moi. Quel genre de lettre que tu avais rédigé? Pour que Dieu t'envoie sur la terre. Dis-moi. Quel effort que tu avais fourni. Pour que tu sois un être humain sur la terre. Prends aujourd'hui. Dis-moi lelo. Tes soucis et abandonne sur lui. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse se débrouiller de vivre. Il est notre père. Il est notre père. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Et je ne vous délaisserai point comme des orphelins. À quoi bon avoir les soucis? Il dit, regardez les fleurs des champs. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'une d'elles. Les oiseaux du ciel mangent, ne prient même pas pour avoir la nourriture. Mais il dit, n'est-ce pas moi qui ai créé ces oiseaux? N'est-ce pas moi aussi qui suis votre créateur? Gens de peu de foi. La situation dans laquelle tu te trouves ce soir. Toi-même, tu peux déterminer de quitter cette situation-là. Amen, amen. Amen. Toi-même, tu peux déterminer. Tenons-nous debout. Je n'avance pas. Tenons-nous debout, je termine. Branham dit. Je suis convaincu. Que si nous croyons en lui en ce moment même. Je suis convaincu que Jésus-Christ guérira chaque maladie maintenant. Si nous croyons, osez simplement croire. Vous verrez le Dieu de la Bible. De quoi il est capable? Quoi? La stérilité? La stérilité. Le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de la stérilité. Le chômage. Le chômage. La pauvreté. Avec ce message, nous sommes plus que des millionnaires. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que vous voyez plus? Nini bino bolingi ya monene. Au-dessus du nom du Seigneur Jésus. Oye, le king kombo na kolo Yesu. Si nous croyons à lui maintenant, soki tonzimeli esikawa. Prenez
conscience que vous ne vous n'êtes pas appelé dans ce monde par vous-même. Et recommandez votre sort à l'Éternel ce soir. Et le dimanche, il y aura une chaîne de témoignages ici. Il m'a parlé ce matin que je vais guérir les gens. Le pasteur m'a appelé à 13h. Pendant qu'il m'appelait, je venais de voir la vision en train de prêcher ici. Dès que la vision me quitte, il m'appelle que c'est toi qui prêches à la moisson ce soir. Et Dieu m'a dit, va là-bas, je vais guérir les gens. Aujourd'hui, ce soir, toutes de tes maladies, toutes de ton problème, je t'annonce, c'est lui qui est capable de tout. Je te montre la voie des miracles. Je te montre la voie des miracles. La voie des prodiges. L'adresse, la joie est à un nom. Et c'est le mariage a un nom. La richesse a un nom. Le nom du bonheur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ aujourd'hui. Christ lelo. C'est le message de Malachi 4. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Que chaque maladie qui te tourmentait soit maudite au nom du Seigneur Jésus. Même ceux qui nous entendront de loin, même ceux qui nous suivent par l'internet, que chacun reçoive sa bénédiction maintenant au nom de Jésus-Christ. Que chaque maladie quitte la vie de Jean. William Branham dit, je crois, je suis convaincu qu'il guérira chaque personne malade maintenant. En un instant et en un clin d'œil, je suis convaincu qu'il déversera maintenant le Saint-Esprit ici, au point qu'il y aurait une grande clameur, de sorte qu'il sera difficile de dire ce que je pouvais dire. Na mosande te makokie kozala tena tango na kokai kotanga. Na ndimisa mina yango. Je le crois de tout mon cœur. Na ndimina motema na ngai mobimba. Pas parce que je suis un vieil homme. Ezali te pona zali mobange. J'ai prêché ceci quand j'étais jeune. Na te yakipe boye tango na zala kelenge. Un jeune homme de pas plus de 20 ans. Elenge na zala kiatana mibuku kumi balete. Je suis convaincu depuis ce jour-là. Na ndimisa maki uta mokolo yango. Il m'a rencontré à la rivière Oyo. Akuta na kina na kina Oyo. Qui croit que Christ avait rencontré William Branham? Et s'il avait rencontré Branham, c'était pour toi mon frère. C'était pour toi ma soeur. S'il avait rencontré Branham pour toi, et reçois la solution à ton problème. Au nom du Seigneur Jésus, il est ici. Il t'écoute. Il te voit. Tu dois sortir aujourd'hui joyeux. Tu dois sortir joyeuse. Au nom du Seigneur Jésus, il dit, il m'a rencontré à la rivière Oyo. Je suis convaincu. Alléluia. Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que cette colonne de feu, que cette colonne de feu que vous voyez, c'est la présence du Seigneur Jésus. Cette colonne de feu maintenant qui te donne l'atmosphère là, c'est Jésus-Christ à tes côtés. Quand tu lui parles et réalise qu'il est là, il t'écoute. Et crois qu'il a fait ce que tu peux demander. Alléluia. Branham a dit, je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est lui qui m'a rencontré à la rivière. Je suis convaincu qu'il est maintenant ici. Je suis convaincu que cette colonne de feu que vous regardez sur la photo, qui était avec Israël dans le désert, c'est la même présence du Seigneur Jésus parmi nous. Je suis plus convaincu que c'est la vérité. J'ai donné ma vie pour cela. J'ai quitté ma maison et toutes les autres choses. J'ai tout donné pour cela. J'ai tout donné pour cela. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que Christ est ici maintenant avec vous. Convaincu que cet esprit qui est ici maintenant, c'est le Saint-Esprit.
Je suis convaincu que nous sommes maintenant tous baptisés du Saint-Esprit. Amen. J'ai libre âme. Je suis convaincu que maintenant ici, chacun est baptisé du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je sais que c'est la vérité. Je suis complètement convaincu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu et parfaitement convaincu. Cet ange qui m'a rencontré là-bas m'a dit qu'il a déjà fait tout. M'a dit ce qu'il a fait. Je me suis tenu devant des milliers et des milliers de païens. Et vous dites, Branham, n'avez-vous pas peur? Moi, Branham, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. Je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je suis convaincu que parce que c'était scripturé. Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que c'est l'ange de l'Éternel. Je le crois de tout mon cœur. C'est l'ange de l'Éternel maintenant qui est en train de vous visiter. Complètement convaincu. Je suis convaincu que si nous demandons quelque chose, quoi que ça soit, il nous l'accordera maintenant. Alléluia. Je suis aussi convaincu que si nous demandons quelque chose maintenant, ne regardez pas la grandeur de la chose, mais regardez à celui qui a posé la signature avec son sang et qui a dit: Père, tout est accompli. Vous n'avez rien accompli. Croyez simplement que c'est la vérité. Croyez que c'est la vérité. Branham dit: je suis convaincu que si nous demandons quoi que ce soit, il nous l'accordera. Seulement, nous avons la paix. N'ayez pas peur. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez maintenant. Je suis convaincu que cet esprit même que vous sentez toucher votre corps, c'est cet esprit qui se met à nous maintenant. Je suis convaincu que c'est Christ. Amen. Amen. Je suis convaincu maintenant même que c'est à quoi je regarde, ces cercles de lumière qui se trouve devant moi, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Amen. La présence que vous sentez là, si Dieu vous fait la grâce de voir, vous verrez c'est un homme. Vous verrez que c'est l'ange du Seigneur. Mais d'autres, il faut qu'ils aillent dormir pour voir par un songe que c'était le Seigneur au milieu de nous. Branham dit: d'autres ont déjà atteint la dimension de sentir la présence du Seigneur avec leur corps, avec votre corps. Vous sentez que Dieu est ici. Branham dit: pas avec l'esprit mais avec votre corps. Vous sentez que Dieu est ici. Alléluia. Branham dit: je suis convaincu que c'est la vision du Seigneur. Il dit: je défie maintenant chaque démon dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Je défie maintenant chaque démon qui te troublait au nom de Jésus-Christ. Que chacun de nous parle au Seigneur. Demandez tout ce que vous voulez. Demandez. Frère David. Hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, hier au jour de jamais, Jésus ne change pas. Alléluia. Hier au jour de jamais. Alléluia. Oh.
exauce la prière. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé hier, il sauve maintenant. Il sauve encore demain. Car lui ne change pas. Oh, s'il a sauvé hier, sauvé, il sauve maintenant. Il sauve. Alléluia, hier aujourd'hui, alléluia, hier aujourd'hui, oh, alléluia, hier aujourd'hui, jamais, Jésus ne change, il ne change pas, hier aujourd'hui, il est toujours le même, hier aujourd'hui, oh, il ne change pas, hier alléluia, Jésus. Change pas. S'il a guéri hier, il guérit maintenant. Il guérit encore demain. Car lui ne change pas. Alléluia. Alléluia. Le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, oh, il ne change pas, oh, il ne change pas, alléluia, Jésus, c'est lui Elohim le fort, oh, il ne change pas, elle est là, Elohim, alléluia, Jésus, c'est lui le grand médecin. Oh, il ne change pas. C'est lui qui marcha sur les eaux. Oh, 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 Jésus, oh, il ne change pas. C'est vrai, il ne change pas. Oh, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change. Sa puissance est illimitée. Oh, il ne change pas. Oh, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change. Il est Alpha Omega. Oh, le premier. Change pas. Oh, 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 oh. Jésus ne change pas. Les dieux tout puissants. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. À jamais, Jésus ne change. Jésus ne faillit jamais. Sa parole ne faillit jamais. Change pas. Alléluia, Jésus. Oh, il ne
C'est lui le grand Jéhovah. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. C'est lui qui marcha sur les eaux. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Et alléluia. 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 À jamais. C'est vrai, il ne change pas. Il ne change pas. Oh, oh, oh. Alléluia. Le puissant vainqueur, le puissant conquérant dans la bataille. Alléluia. Oh, il ne change pas. Alpha, Omega. Oh, il ne change pas. Alléluia. Maintenant, il bénira encore demain, car lui ne change pas. S'il a béni hier, il bénit maintenant, il bénira encore demain, car lui ne change pas. Alléluia. Oh, 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 oh. C'est lui qui bénit John Chariton. Il ne change pas. Alléluia. Hier au jour d'à jamais, Jésus ne change pas. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Sa parole ne faillit jamais. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Écoutez, Oyoka. Dans cette atmosphère, Katina Zebi Oyo. J'ai un deuxième message. Nazui Sangoyami Balé.
que j'annonce. Oh, na kopé ça. Dieu m'a dit. Nzamba lobina ngai. Ce soir, je vais guérir les gens. Pourquoi na lelo ngai na kobiki sabato. Et écoutez. Boyoka. Il m'a ajouté, il m'a dit. Abakisi lisusu ete. Dites à tous ceux qui sont dans l'église. Yebisa ba ibanso ba zwami na eklesia. Qui sont dans les loges. Oyo ba zwami kati na ba soloka. Qui sont dans les fétiches. Et cela rend ma présence impuissante. Voyez le pasteur Amissi donner tout ce que vous avez et compris de cela au nom du Seigneur Jésus. Il m'a rassuré qu'il y a des frères et des sœurs dans cette église dans des loges. N'amenez pas le feu étranger à ces messages. Au nom du Seigneur Jésus. J'engage le Seigneur. Ne venez pas me voir. Montez et voyez le pasteur. Dieu veut maintenant que chacun voit Dieu. Si vous ne le faites pas, le jugement du Seigneur est là. Maintenant, pour ceux qui sont malades, pas celui qui a deux mois, mais celui qui a un cas difficile, peut-être la stérilité de 12 ans, de 25 ans, de 38 ans, les célibats qui se prolongent, chaque problème qui te tourmente là, c'est une maladie. Et cette maladie doit être guérie instantanément. Doit être guérie. Maintenant, pour ceux qui ont des cas très difficiles, je vous demanderai simplement de former soit des lignes, soit des lignes. Par la grâce de Dieu, nous vous imposerons simplement la main et vous allez retourner. Et le reste de l'assemblée, nous devons vous tenir main dans la main. Tenons-nous mais dans la main. Et maintenant dans votre cœur, garde le désir que vous avez. Si c'est l'argent, nous avons un grand millionnaire. Si c'est le démon d'être locataire, c'est un démon qui tourmente. Qui a dit que vous devez rester locataire? C'est Dieu qui révèle les herbes des champs. C'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. C'est Dieu qui nourrit les poissons de la mer. Que ce Dieu-là ne dis pas ce soir. Que si il est le même, j'approuve qu'il est le même. Alléluia. Amen. Je confirme qu'il est le même. Qu'il vous prenne aussi en charge. Mais pour ceux qui ont les cas de maladie, nous allons simplement poser la main, c'est fini. Ne me dites pas votre maladie. Il m'a dit de vous mettre simplement la main, c'est fini. Et retournez joyeux. Et vous allez témoigner vous-même. Mais tout autre besoin. Tenons-nous mains dans la main. Pendant que le frère David est en train de chanter. Vers celui qui peut sauver, ma foi regarde à celui qui peut tout changer. Moi je discernais sa présence sur la terre, comme Abraham parmi les chaînes de mon bras. Dieu tout-puissant personnifié dans son épouse, dans sa plénitude du sauveur bienveillant. Siloté et El Shaddai pour Abraham,
il est aussi El Shaddai pour moi. Si il était Jéhovah Rapha pour la mer au poisson, il est aussi Jéhovah Rapha pour moi. Si il était Jéhovah Juré pour Abraham, il est aussi Jéhovah Juré pour moi. Car il est immuable, il ne change jamais. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, grâce à tes yeux, oh El Shaddai, ne passe pas loin de moi ce soir. Alpha Omega, ne passe pas loin de moi, je suis là Seigneur. Oh, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, oh, grâce à tes yeux, El Shaddai, le compatissant, oh, ne passe pas loin de moi, je suis là Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, 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 grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, oh mon sauveur, je suis là Seigneur, je suis là mon Dieu, je suis là Papa, croyant en ta parole, je suis là mon Dieu, au pied de ta croix, je suis là Papa, croyant que tu es vivant. Mon Dieu, je suis là Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis là Papa, oui dans ta présence. Oui, je suis là Seigneur, je suis là mon Dieu. Papa, je suis là mon Dieu, croyant en ta parole. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, oh, grâce à tes yeux, El Shaddai, oh, ce soir, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, 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 grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega. Oh mon sauveur, je suis là mon Dieu, je suis là Seigneur, je suis là Papa, fais quelque chose. Quand tu guéris les autres, pense aussi à moi. Quand tu guéris les autres, guéris-moi aussi. Quand tu bénis les autres, pense aussi à moi. Je suis là mon Dieu, souviens-toi de moi. Je suis là Papa, croyant que tu es vivant. Je suis là mon Dieu, croyant que tu es le même. Oh, je suis là mon Dieu, je suis là Seigneur. Je suis là Papa, étends ta main. Oui, je suis là mon Dieu, je suis là Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, 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 grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, mon Jésus. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, oh mon sauveur, je suis là mon Dieu, je suis là Seigneur, je suis là Papa, dans ta présence. Je suis là mon Dieu, ne passe pas loin de moi. Je suis là Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur qui peut m'aider. Je suis là Seigneur.
Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux changer ma situation. Je suis là, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, qui peux me guérir. Je suis là, Seigneur. Oh, je suis là, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa. Fais quelque chose. Je suis là, Seigneur. Et alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, oh, oh. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha, Alpha Omega, ne passe pas loin de oh mon Jésus, je suis là, Salomon, lorsque Israël avait reconnu les dons de Dieu, il avait toujours des prodiges. Aucun problème n'est resté sans solution. Et à chaque question, il donnait toujours la bonne réponse. Mais voici qu'aujourd'hui, nous avons reçu le plus que Salomon, le don béni du ciel, Elohim le fort lui-même. Abraham m'a dit, moi je peux partir, mais l'ange sera là pour confirmer sa parole. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les autres, c'est le moment de me bénir, je dois aussi témoigner. Sur la terre, je ne suis pas venu accompagner les autres, c'est le moment de m'élever, je dois aussi témoigner. Ce soir, je ne suis pas venu accompagner les autres. C'est le moment de me guérir. Je dois aussi témoigner. Dans ce culte d'aujourd'hui, je ne suis pas venu accompagner les autres. C'est le moment de me guérir. Je dois aussi témoigner. Ah. Et alors, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, 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 grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, ne passe pas loin de oh mon Sauveur, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega. Mon Jésus, je suis là, Papa, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, oh. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi, je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa, je suis là, mon Dieu, je suis là, Seigneur. Je suis là ce soir, oui, dans ta présence. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu, et je crie au don. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa, fais quelque chose. Je suis là, Seigneur. Quand tu guéris les autres, pense aussi à moi. Je suis là, Seigneur. Quand tu guéris les autres, guéris-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Oh, je suis là, El Shaddai. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Jéhovah. Souviens-toi de moi. Je suis là, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Jésus, qui peut m'aider. Je suis là, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me soutenir. Je suis là, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, Jésus, qui peut changer ma situation. Je suis là, oui, je suis là, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu, croyant en ta parole. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa, croyant en ta promesse. Je suis là, Seigneur. Seigneur, je suis là, mon Dieu, croyant que tu es vivant. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa, et je crie au don. Je suis là, Seigneur. Seigneur, je suis là, mon Dieu, fais quelque chose. Je suis là, Seigneur.
Je suis là, mon Dieu, guéris-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Oui, je suis là, mon Dieu, bénis-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Oui, je suis là, Seigneur, élève-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Oh, je suis là, Seigneur, bénis-moi aussi. Oh. Je suis là, Seigneur. Ah, je suis là, Seigneur, change ma situation. Je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi, mon Seigneur, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, mon Sauveur, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi. Nous vérifions. S'il y a quelqu'un qui a les cas de la maladie et sur qui on n'a pas imposé la main, qui lève la main. Ce que Zalina Moto a dit, c'est que tu m'as mis le bon côté, à ton bon côté. Ok, avancez rapidement, on impose la main, vous retournez. Celui qui a les cas de la maladie. Les autres cas, tenons-nous dans la main, on fait la prière ensemble. Asusu boko simba na kaka na loboko to bondeli bongo. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi. Oh, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, grâce à tes yeux, El Shaddai, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi, mon Sauveur, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, mon Dieu, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, Papa, je suis là, Seigneur, je suis là devant toi, le grand médecin, je suis là, Seigneur, je suis là, Seigneur, je suis là, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Quand tu guéris les autres, guéris-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Quand tu bénis les autres, bénis-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, mon Sauveur, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, ce soir, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi. Je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha Omega, mon Sauveur, je suis là. Devant ton trône de grâce, je m'approche avec assurance. Toi, le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Dieu de paradoxe, tes voies sont insondables. Seigneur, je suis le petit-fils de Simon des Cyrènes. Souviens-toi de moi, compatissant Jésus. Souviens-toi de moi,
le rocher de mon salut. Souviens-toi de moi, toi le grand médecin. Souviens-toi de moi, le rocher de mon salut. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, 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 grâce à tes yeux, El Shaddai, ne passe pas loin de moi, Alpha, Omega, ne passe pas loin de moi, mon sauveur, je suis là, Seigneur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, oh, grâce à tes yeux, oh, oh, El Shaddai, l'ange du Seigneur, Alpha, Alpha Omega, ne passe pas loin de moi. Mon Jésus, je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Papa. Souviens-toi de moi. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Jéhovah, l'ange du Seigneur. Je suis là, tu bénis les autres, bénis-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Quand tu guéris les autres, bénis-moi aussi. Je suis là, Seigneur. Oh, je suis là, Seigneur, croyant en ta parole. Je suis là, Seigneur. Je suis là, mon Dieu, au pied de ta croix. Je suis là, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ qui est tout puissant. Toi, le grand Melchisedec. Yo, Melchisedec, mon aîné. Tu es maintenant ici. Aujourd'hui, c'est Kawa, Awa. Non seulement ici, Kaka, Awa, mais aussi avec les nôtres qui sont maintenant dans les lits d'hôpitaux. Incapables d'être ici ce soir. Bazangi makokia kozala awa poko na lelo. Qui ne sont pas mesurés de bouger même leurs mains. Bazangi ata makokia koningisa maboko na bango. D'autres même pouvaient être ici. Mais nous suivons à une distance lointaine. Mais ta main ne connaît pas la distance. Ta présence ne connaît aucune barrière. Seigneur, que cette grâce, cette présence puisse s'élargir maintenant et répondre favorablement au désir de chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la pauvreté c'est un démon et je maudis ce démon au nom de Jésus-Christ. Nous avons la promesse d'être à la tête et non la queue. Et tu nous as dit tout lieu qui foule la plante de notre pied, le contrôle et la domination nous est donné. Seigneur Jésus, que les sorciers du quartier craignent ce peuple, que les magiciens du quartier craignent ce peuple. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, que ce feu du réveil s'intensifie dans le cœur de chacun. J'ai fait ma part. J'ai peux aussi parler ce soir. Que je n'ai jamais. Je n'étais pas désobéissant à la conduite céleste. Je suis convaincu que c'est toi qui m'as placé ici ce soir pour apporter la parole. Puisque pendant que je voyais la vision, ton serviteur ami s'était en train de composer le numéro pour m'appeler. Et comme la profondeur appelle la profondeur, et que tu voyais qu'il y avait le désir urgent, Seigneur, auquel tu devrais résoudre par le ministère que tu nous donnes, éternel, Yahweh, je demande au nom du Seigneur Jésus la perfection de quiconque m'a entendu ce soir. Au nom du Seigneur Jésus, que ce peuple soit parfait au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le diacre pour la collecte. Pour la bokongoli.
Tournons nos têtes pour la prière. Dieu de miséricorde, de paix et de bonté. Venons, Seigneur Jésus-Christ, devant toi avec ce service. Comme nous te prions de le bénir. Et de bénir aussi ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le diacre Charles Kabang confirme la réunion de communion fraternelle pour demain. Musungi Charles Kabang a lobi été elaka ya bokutani na bandeko ya lobi ekosalema. Oui, la communion va se tenir chez le frère David Kalonji à partir de 17h juste. Bokutani yango ekosalema pa na ndeko mbali David Kalonji utana ngonga ya zomi na sambo. Le diacre Ngokal rappelle sa juridiction que demain à partir de 7h juste ils doivent être ici pour mettre la propriété au temple. Il insiste sur la présence de chacun de ses membres. Le pasteur informe l'église que le dimanche notre opération de dollars va continuer et lui-même se tiendra là pour conduire ça. C'est ainsi qu'il demande à nous tous d'amener le 2 dollars le dimanche. Surtout de véhiculer aussi ce message pour ceux qui ne sont pas ici. Dimanche, opération 2 dollars continue. Mokolo lomingo likambo ya 2 dollars ezali kokoba. Ça c'est le communiqué de l'Ecodim. Oui, ezali liyebisi kouta na itelo ya bana. Nous rappelons aux parents et élèves. Ezali kokanisela baboti pe bana. Que demain nous donnerons la leçon sur les 3 étapes dans la marche d'un croyant. Ça, sera ici au temple. Et cette matière concerne le deuxième et le troisième niveau. À partir de 10h juste demain. Lobi yango ekobana na ngonga ya zomi. Et on ira jusqu'à 12h30. Pe kokoba bongo kino na ngonga ya zanga minute 13. Ainsi les parents sont avertis. Na bongo baboti bakebisami pour envoyer les enfants demain. Pwete bakoka kotinda bana lobi. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Na banza ite tokomi na suka. Pouvons incliner nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi, quand tu accomplis ta parole, c'est pour que qu'on te craigne. Et aujourd'hui, tu as accompli ta parole. Et nous t'aimons pour cela. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Tu nous as nourris par cette parole de ce soir. Tu nous as, Dieu bien-aimé, conduit du début jusqu'à la fin de ce culte. Maintenant, nous voulons rentrer dans nos maisons.
Ainsi nous te prions, Seigneur, que l'ange qui était ici avec nous accompagne chacun de nous jusque dans sa maison. Et si tu pouvais permettre, Père, que nous soyons ici le dimanche autour de ta parole pour suivre tes oracles, Seigneur, nous te louerons, nous te bénirons. Ainsi, Seigneur, que l'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, en chantant toujours plus que vainqueur. Telle est notre devise, puisque